Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais énormément remercier mes abonnés car on a atteint les 20 000 et franchement, c'est super, donc merci beaucoup. Franchement, vraiment merci. Donc aujourd'hui, on va faire un petit challenge. En fait, je vais faire une vidéo où en fait, je vais faire mon make-up dans l'ordre alphabétique. Alors, j'ai un peu peur parce que dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que c'est pas du tout dans le même ordre qu'on se maquille normalement. Donc j'ai un peu peur du résultat, mais du coup on passe tout de suite au maquillage. Donc pour commencer, on va commencer du coup avec la lettre A. Donc A c'est égal à anti-cerne. Donc déjà on met pas de base, hein, c'est super. On commence du coup avec l'anti-cerne. Donc c'est un petit anti-cerne qui vient de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est le Perfect Glow. Donc du coup je viens en appliquer en anti-cerne. Aussi, je voulais vous dire, si vous voulez me suivre, donc j'ai deux réseaux sociaux maintenant. C'est Instagram, du coup, je vous l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo. Et j'ai aussi Facebook, voilà. Et du coup, pour ceux qui veulent me suivre, je mettrai les liens en barre d'infos. Je viens estomper avec mon Beauty Blender, donc qui vient de chez Shine. Donc c'est un site internet que je vous avais déjà parlé dans une vidéo. En fait, cette éponge, je l'utilise vraiment beaucoup parce qu'elle est géniale. Donc elle applique super bien la matière et j'aime beaucoup le rendu qu'elle fait. Donc je tapote bien. Donc là aussi vous avez vu, je fais aussi un maquillage un peu chargé, bon pas aussi chargé que la dernière fois, mais vu que va y avoir beaucoup de produits dans cette vidéo, ça va faire un make-up assez chargé et j'ai aussi peur un peu du résultat clairement parce que je vais mettre des trucs pas du tout dans le bon ordre. Donc clairement, j'ai un petit peu peur du résultat, de ce que ça va donner. Donc on tapote bien sur les zones où on a mis le fond de teint. Enfin, le fond de teint, qu'est-ce que je dis? L'anti-cerne. Donc là, quand on a bien tapoté, donc on va passer à la lettre B. Donc la lettre B, on va commencer par la base à paupières. Donc je prends la base à paupières qui vient de chez Serge Louis Alvarez également. Donc c'est la 10 transparent. Donc je viens l'appliquer avec mon doigt. Donc je l'applique sur ma paupière. Donc ça va permettre de faire tenir le fard à paupières et aussi de faire ressortir les couleurs du fard à paupières du coup qu'on va appliquer après. Donc je tapote avec mon petit doigt. Après il y a des bases aussi qui sont liquides. Mais là, moi, ma base, elle est compacte, pardon. J'avais oublié le nom. Après, donc toujours dans le B, on a la BB crème. Donc, je vais prendre... Oh là là, j'ai fait tomber. Alors, en fait, j'ai retrouvé quelle BB crème c'était. Donc, c'était une BB crème Chanel. En fait, c'est-à-dire qu'elle coulait un peu. Du coup, on l'a transvasée dans un petit pot clinique. Et je viens prendre le pinceau de chez Lancôme. Il n'y a pas de numéro dessus. Et du coup, je viens l'appliquer sur mon visage. Donc, il y en a aussi qui l'appliquent au Beauty Blender. Je le sais, mais moi, en fait, je préfère vraiment le faire au pinceau. Je trouve que ça étale mieux la matière. Donc là, vous voyez, je pense que c'est un peu bizarre parce que l'anti-cerne, d'habitude, je l'applique quand même. C'est-à-dire que je mets la BB crème. Et après, je mets l'anti-cerne. Donc déjà, ça commence en désordre. Enfin, tout d'abord, déjà, je mets la crème. Hein. La crème, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle va arriver, là. Donc, je suis impatiente, bien sûr. Parce que la crème sur l'anti-cerne et sur la base, je ne sais pas trop ce que ça va donner, clairement. Non, en vrai, je pense que ça va être un petit peu comme désordonné. Parce que c'est pas du tout dans l'ordre que... On fait naturellement le maquillage. Donc Mais bon, c'est un challenge qu'on essaye. Donc en fait, là, j'ai envie quand même d'essayer avec le Beauty Blender. Je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, je viens prendre une petite éponge. Donc je sais pas d'où elle vient. Mais du coup, en fait, j'ai envie d'essayer. Parce que je pense que ça peut être bien. En vrai, c'est bien, hein, ça. Bah ça unifie le teint, franchement. C'est bien aussi avec le Beauty Blender. Mais en fait, je pense que c'est bien quand même de faire ce que je fais
parce que ça, enfin avec le Beauty Blender, ça étale mieux, et avec le pinceau aussi vous pouvez prendre la matière, donc franchement c'est bien. Ensuite on a le blush, toujours dans le B. Alors en fait le blush, en fait j'avais envie de changer un peu de blush, du coup je vais prendre la palette Marionneau. Donc c'est la palette de maquillage Flocon Scintillant. Du coup je viens prendre la petite teinte un petit peu rose du coup, donc qui est comme ceci. Hop. Et oulala, cette teinte du coup je viens l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Makeup Forever, c'est le 24S. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes. Donc pour l'instant ça va, hein. On va pas se plaindre de l'ordre, mais en fait c'est un peu bizarre parce que il y a pas de poudre, donc ça matifie pas le teint du tout. Puis là j'ai les rouges, j'ai les joues super roses, donc c'est super, mais bon c'est le challenge, on va pas se plaindre. Ensuite donc toujours dans B on a baume à lèvres, donc je vais prendre un petit baume qui vient de chez Yves Rocher, donc c'est à la noix de coco, donc qui se présente tout simple. Et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Donc il est super bien le baume à lèvres parce qu'il il hydrate aussi super bien, franchement. Il est très hydratant. Ensuite, donc, on va passer au C parce qu'on a fini le B. Et donc dans C, on a contouring. Donc pour le contouring, je vais prendre ma palette Nocibé de contouring. Pour l'instant, c'est le seul contouring que j'ai. Donc je viens prendre du coup ma petite teinte là, donc c'est marron. Et du coup je viens l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Yves Rocher. Donc ici, donc j'ai pas trop, enfin au niveau en dessous de la pommette. Et du coup je vous avais dit vous pouvez faire le poisson, pour ceux qui savent pas trop faire le contouring. Mais vu que moi quand même je me suis un peu entraînée à le faire, bah du coup je sais quand même où est-ce qu'il faut que je mette le contouring. Donc vous en mettez là des deux côtés, ensuite vous en mettez sur l'arrêt du nez et sur le front ici. Donc vous voyez ma frange, je vais vraiment la laisser repousser parce que ça me saoulait un petit peu, que ce soit trop, ça me saoulait parce que ça donne vraiment beaucoup de temps le matin à vous préparer tout ça. Et ensuite du coup ici, le contouring, et du coup j'ai décidé de la refaire, de la laisser repousser. Ensuite du coup avec le contouring je vais prendre la petite poudre là, parce que j'aime bien mettre les deux poudres souvent, et je viens l'appliquer sous mes yeux. Je passe un peu sur le blush, on triche un petit peu, hein. Mais bon. Du coup je passe ici, sur l'arrêt du nez, ici, et le menton. Donc pour le contouring on a fini. Ensuite, dans la lettre C, on a crayon pour les yeux, donc le col. Du coup, c'est absolument pas du tout dans l'ordre parce que qui fait ça? Et du coup, je viens prendre le petit crayon de chez Marionneau. Donc, il est noir. Et du coup, je viens mettre dans ma muqueuse, dans l'œil. Ça fait un peu bizarre, vous voyez, ça fait, c'est un style, hein, mais clairement c'est un peu bizarre, vous voyez, c'est spécial quoi. Donc, c'est super bizarre, regardez. Ensuite, quand on a fait ça, toujours dans la lettre C, on vient mettre la crème. Quelle logique! Donc je viens prendre ma crème de chez Yves Rocher, donc c'est la Hydra Végétale. Cette crème j'utilise beaucoup, mais franchement elle est super bien, donc j'aime beaucoup. Donc j'utilise avec la petite spatule qui vient du coup pas avec le pot, mais c'est plus hygiénique. Du coup je l'applique ici sur mon doigt parce que je vais tapoter, parce que je pense que sinon ça va m'enlever toute ma matière que j'ai sur le visage. Donc je l'étale un peu sur mes doigts. Pourquoi je fais ça? Et du coup je tapote. Oh mon dieu, c'est horrible. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est horrible de mettre de la crème après le fond de teint, le blush, tout ça. En plus, ça déplace la matière. Horrible. J'aime pas. Non, regardez vraiment,
C'est vraiment pas beau du tout. En plus, ça me fait le teint un peu glow, sachant que moi, je préfère le teint mat, donc vraiment matifié. Et là, c'est glow parce qu'il y a la crème qui vient par-dessus. Ça n'a aucune logique. Ensuite, donc j'ai rien trouvé en D. Donc on passe tout de suite au E. Et le E, c'est l'eyeliner. Très logique aussi. Donc c'est un petit eyeliner qui vient de chez Chanel. Donc c'est l'écriture de Chanel. Donc pour ceux qui savent sur Instagram et Facebook aussi, j'ai posté dans ma story un petit make-up comme ça avec ce trait d'eyeliner. Et en fait, je me suis beaucoup entraînée pour ceux qui se demandent comment je sais faire un trait d'eyeliner. Alors ça demande énormément de travail parce qu'au début, je vous dis, c'était vraiment, ça allait pas du tout. Je savais pas faire de trait d'eyeliner. Et à force de m'entraîner, bah, j'ai quand même réussi à le faire. Donc c'est à force d'entraînement que vous y arriverez quand même parce que ça demande vraiment beaucoup de précision. Donc là, voilà, j'ai réussi. On va pas plus toucher. On le voit un petit peu. On va pas trop retoucher, repasser dessus. Donc on fait pareil de l'autre côté. Du moins, on essaye. Je suis désolée si je pars pas pendant l'étape de l'eyeliner, mais c'est tellement dur à faire que faut vraiment être concentré maximum quoi. Donc voilà, donc j'ai réussi. Donc ça va, je suis contente, j'ai réussi l'étape de l'eyeliner parce que c'est super dur. Ensuite, on va passer au F, donc dans F, fard à paupières. Donc en fait, je vais faire un petit make-up avec la palette Zananas. Donc je vais faire un make-up un peu soft, pas trop chargé. Donc c'est la petite palette comme ceci, en collaboration avec Sephora, pardon. Donc elle est super jolie cette palette, donc elle a beaucoup de couleurs. Et avec un petit pinceau toc, qui vient de chez Sephora, donc c'est le 8. Donc on va pouvoir faire le petit maquillage, donc je vais commencer par le Bust First. Donc c'est une petite teinte marron, donc très jolie pour commencer. Mais vous voyez, maintenant que j'ai fait le trait d'eyeliner, comment vous voulez que je fasse le creux de paupière? Ça va l'effacer. Ça va l'effacer. Non. Je vais essayer de passer vraiment très près, mais sans l'effacer, mais c'est super dur. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre la Sew de Sty. Oups, vous ne voyez pas. Donc c'est la petite teinte. C'est un peu plus taupe, on va dire. Et je viens la mettre du coup au creux de paupière. Mais juste pour faire une petite teinte de transition, on va dire. Enfin, pas vraiment de transition. Parce que c'est quand vous avez fait le creux de paupière. C'est vraiment juste pour un peu plus foncer le maquillage. Ensuite, je viens prendre la. Touk, là. La Yummy. Donc, c'est la teinte marron. Cette fois, c'est vraiment marron foncé. Et je viens le mettre au creux de paupière. Donc, en vrai, ça va si vous touchez pas. Donc, je viens le mettre dans le creux de paupière. Donc, ça fait ça. C'est assez joli pour l'instant. Donc, je touche un peu le trait d'eyeliner, mais faut pas l'effacer parce que sinon ben, on y est perdu. Donc ensuite, quand on a fait ça, je viens prendre la teinte Rally. Donc c'est des petites paillettes dorées. Non, c'est pas vraiment doré, c'est argenté, argenté marron qui est très joli. Et je viens l'appliquer avec le doigt parce qu'avec un pinceau, c'est un petit peu dur, clairement. Ça marche vraiment mieux avec le doigt, les paillettes des palettes. Les paillettes des palettes. Donc je l'applique sur mon petit doigt et je viens l'appliquer au niveau de la d'ici là vers le trait d'eyeliner sans vraiment aller le toucher. Donc je fais pareil des deux côtés. Donc elle est vraiment super jolie cette teinte. Donc vous voyez.
Et franchement, c'est super joli. Donc voilà pour les yeux. Je vais arrêter là. Je pense que je n'ai pas allé plus loin. Ensuite, quand on a fait ça, donc on passe au G. Donc G, c'est gloss. Donc ce qui n'est absolument pas logique parce qu'on met le rouge à lèvres avant le gloss. Donc là, c'est-à-dire que je vais devoir mettre mon rouge à lèvres après le gloss. Oh, catastrophe! C'est horrible quand vous faites ça, quand vous mettez un gloss et après vous mettez le rouge à lèvres. Franchement, c'est horrible. J'aime pas. Donc, je prends un gloss qui vient de chez Kiko. Donc, c'est le 112. Vous voyez, juste du gloss, ça va, mais pas avec du rouge à lèvres par-dessus, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je viens prendre toujours dans G du gel à sourcils. Donc là, je viens prendre mon gel à sourcils qui vient de chez Marionneau. Donc, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que je mets mon gel sur ma brosse à sourcils. Je préfère. Donc, je viens coiffer mes sourcils. Ce qui n'est pas logique, c'est que, ce qui n'est pas logique, c'est que après, je vais faire mes sourcils. Donc, ça sert à rien. Donc voilà, quand on a fait les sourcils, on passe à la lettre H. Donc H, c'est highlighter. Donc je viens prendre ma petite palette de contouring parce qu'il y a un highlighter dedans. Et l'highlighter qui est dedans, c'est celui-là. Donc il n'est pas très voyant, mais c'était histoire de changer un petit peu d'highlighter parce que souvent je mets le même. Donc c'était pour changer. Donc j'en applique. Du coup, sur mon petit nez, sur les pommettes, pardon. J'en applique aussi donc sur l'autre pommette, ce qui est logique, et au-dessus de la lèvre. Donc, vous voyez, en vrai, ça marche quand même bien parce que j'en ai mis pas mal. Donc, oulala, il y en a quand même un peu beaucoup sur mon nez. En vrai, je vais prendre un autre petit pinceau, donc c'est un petit kabuki. Je vais venir un peu étaler, enfin, enlever la matière, l'estomper. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Ensuite, donc après le H, il y a I, J, K, L. Donc j'ai pas trouvé de lettres. Enfin, de produits correspondants. Du coup, j'ai la lettre M. Donc M, c'est mascara. Donc pour le mascara, donc, je prends le mascara qui vient de chez Marionneau de la gamme Happy. Donc je vous l'ai déjà présenté aussi dans mes vidéos. Et je l'applique du coup sur mes cils. Donc vous voyez, en vrai c'est assez joli. Donc je l'applique sur mes cils. Et en fait sur les cils du bas, je vais faire la même chose. Parce que je peux prendre le bleu, mais j'ai pas trop envie. J'ai envie de rester un peu dans la même couleur. Donc voilà pour les yeux. Donc ensuite, NO, j'ai rien trouvé. Et du coup, j'ai trouvé P. Donc c'est la poudre. Donc en poudre, je viens prendre la poudre de chez Lancôme. Parce que la poudre, ça va venir matifier mon teint. Je suis contente. Donc je viens l'appliquer sur un pinceau qui vient de chez The Body Shop. Et je l'applique du coup sous mes yeux. Mais du coup, c'est pas très logique parce que j'ai mis mon highlighter. Du coup, l'highlighter, il va un peu disparaître. Ce maquillage n'est pas logique du tout. Vraiment, il n'y a aucun truc logique là-dessus. Donc, voilà. Bon, du coup, l'highlighter, vous voyez, il a un peu disparu, mais il est toujours présent, mais un peu caché sous la poudre, du coup. Ensuite, après, du coup, Q, j'ai rien trouvé. Et en R, j'ai trouvé Ratcil. Du coup, c'est pas fini. Du coup, je reprends la petite palette. Et du coup, je viens prendre, hop là, un petit pinceau qui vient de chez Rocher aussi, donc qui est le même pinceau que, enfin qui fait partie du même kit de pinceau que celui-là, et avec le petit bout biseauté, je viens prendre, toc, faut pas la faire tomber, la petite teinte, pardon, pas celle-là, celle-là c'était pour les yeux, celle-là, donc celle-là, Sodusty, donc c'est pour ajouter un petit peu de couleur sous les yeux, mais vu qu'il y a déjà le colle, je pense que c'est bon. Pas plus à rajouter que ça.
Donc je l'applique au ras de cils. Et après, avec le petit pinceau boule, j'ai un peu estompé. Donc voilà. Bon, je sais que c'est pas dans l'ordre, le coin interne, mais en fait, j'ai envie de mettre, vous voyez cette teinte là dans le coin interne de l'œil. Donc je vais le faire. C'est juste pour illuminer. On va dire que c'est avec l'highlighter. Donc voilà. Donc aussi, je voulais vous dire, j'ai commandé la palette Morph en collaboration avec James Charles, ou c'est l'inverse. Mais bon, c'est pas important, je pense que vous avez compris. Donc je l'ai commandée, donc je vais bientôt la recevoir. Et du coup, je pourrai la tester en vidéo avec vous. Ensuite, en R, on a rouge à lèvres. Mais non, ça va pas. Donc là, je prends un petit rouge à lèvres qui vient de chez Clinique. Je vous jure, je déteste faire ça. Vraiment, c'est la pire des choses de faire le gloss après et vous mettez le rouge à lèvres. C'est horrible. Du coup, là, je vais dire, ah, j'aime pas. Regardez, en plus, après, vous avez du gloss sur votre rouge à lèvres, là. Donc, c'est très, très désagréable. Regardez, il n'y a même plus de... On l'a perdu, le gloss, là. Donc voilà. Et ensuite dans le S, les sourcils. Donc les sourcils, donc je vais prendre donc, mon petit coiffe sourcils avec un pinceau qui vient de chez Léonard de Castel et ma petite poudre de chez Marionneau. C'est une poudre à sourcils. Alors en fait j'aimerais bien avoir un crayon à sourcils. Donc je pense que je vais m'en procurer un. Je sais pas où, mais je vais essayer d'en acheter un parce que j'aimerais vraiment en avoir un pour faire mes sourcils. Donc ensuite, je viens prendre la petite teinte là et en fait, je viens combler mes sourcils parce que moi, je trouve que j'ai des petits trous dans les sourcils. Ça n'a pas de logique. Vous voyez, les sourcils maintenant, ils sont secs puisque j'ai mis le gel à sourcils par-dessus. Et après, je prends la teinte un peu plus claire pour faire un petit dégradé. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens cette vidéo, franchement. Donc, voilà pour les sourcils. En fait, je voulais les coiffer, mais bon, tout compte fait, ils sont presque déjà coiffés. Mais bon. Et du coup, pour finir ce magnifique maquillage, je viens prendre toujours dans la lettre ES, enfin S, pourquoi ES, non S, le spray. Donc c'est un spray qui vient de chez Clinique. Donc c'est mon premier spray que j'ai pour fixer le maquillage. Et en fait du coup je viens l'asperger sur mon visage. Et donc ça va permettre de faire tenir votre maquillage. En vrai ça va. Donc voilà le résultat. Donc là il y a toujours ma petite lampe. Donc je vous approche. Voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, parce que c'est un challenge que j'ai vu fait par plusieurs youtubeuses et du coup j'ai voulu tester. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas du coup à me follow sur Instagram et Facebook. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et sur ce, bonne journée.